Allez, salut les loulous! C'est le jour du dimanche, on est reparti pour faire la suite de mon let's play sur Dark Souls. Je sais pas pourquoi à chaque fois je galère à trouver ce nom de son jeu, mais c'est pas grave. On va repartir en arrière, je sais que là c'est un boss, hein, j'ai déjà vu mon frère y jouer. Et faire le stage aussi du boss avant, pour ouvrir la porte bien sûr, pour être plus rapide après. On va faire ça après, hein. Je vais d'abord aller à l'endroit où j'avais découvert en tapant sur la statue là. On va voir ce qu'on va faire. Donc j'ai été me booster, j'ai repris un peu plus de vie. Donc je suis à 900 de vie, ça fait pas. Putain, j'ai failli me suicider dès le départ, ça commence bien. Ça fait pas non plus. Voilà quoi. J'ai monté un peu de niveau de vie. C'est léger quoi. Je suis à 900 au lieu d'être. Je suis à 914 au lieu d'être à 800. 874, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai gagné 40 points de vie, c'est pas extraordinaire non plus. Donc on va aller là où je pensais que c'était un boss. Je sais pas du tout ce qui m'attend, on verra bien. Il y a un brouillard bizarre et tout. Donc, déjà, il n'y a pas de boss. J'ai gagné un truc en laiton, c'est magnifique. Je sais pas ce qui m'attend, hein. Franchement. Pour moi, ça sent vraiment le boss. Mais bon. Ouais, quoi, ça sent vraiment le boss, quoi. Il ouais, y a pas de boss, y a pas de bestiole, il n'y a rien. Je sens un boss optionnel ou une connerie comme ça, quoi. Non? Bah non. Bah, ça sert à quoi de venir là? Je m'attendais à un boss, mais y a rien. Pourquoi faire une salle sans rien? Hein? Hein? Moi, j'ai pas compris l'histoire de cette salle, ça. Là j'ai une grande salle vide. Ah, attends, un Orlando, c'est pas dans le 2 ça? Il y avait le roi ici. Ça me dit quelque chose. Bon. Voilà quoi. Ce stage sert strictement à rien. Est-ce que le 2 serait lié au 3 des Dark Souls? J'ai pas fini le 1 donc je peux pas vous dire en fait. J'ai fait que le 2. Et encore le 2, j'avais pas fait la vraie fin. Finalement, on peut affronter le roi et tout bazar. On l'affronte une fois dans le passé. Ça va être ici, je crois. Puis voilà quoi, je me rappelle plus du reste quoi, ça fait un moment que je l'ai fait le 2. Je l'ai fait sur PS3. Je l'ai aussi sur PS4, mais bon je l'ai pas refait sur PS4. Je voulais faire les DLC mais j'ai pas. Voilà quoi. Entre temps il y a eu des autres jeux donc j'ai oublié de le faire. Bon c'est pas très grave, le 3 il est magnifique, mais bon. Donc je sais pas quoi sert cette salle. On va voir quand j'aurai tué le boss peut-être. Donc ce truc qui sert à rien. C'est magnifique. Du coup on va continuer hein. Ce que vous en pensez, j'ai dû rater quelques feux parce que je pense que voilà quoi, ça fait un peu léger quoi ce que j'ai là, donc on va reprendre pour reprendre la vie, j'ai que ça à reprendre, de toute façon j'ai rien d'autre à visiter hein. Et on va faire ce stage, donc je sais pas du tout ce qui va m'attendre. Ah putain, déjà voilà un chevalier. Ça c'est jamais bon signe. Ah ouais, t'es comme ça toi. Bonjour, au revoir. Allez. Casse-toi. De toute façon je sais même pas où je dois aller, donc j'ai vu que mon frère tuait le boss, quoi, affronter le boss, parce qu'à chaque fois que je vais le voir il meurt, donc je devais vraiment lui porter la guigne quand il joue à ce jeu. Un truc de fou. Bon là y a rien, on va l'autre côté.
tape tout le temps dans les murs, hein. Faut pas s'en faire, c'est faut le faire. Je vous le dis franchement, faut le faire. Bon, pas tant tous les murs non plus, faut pas non plus, voilà. Donc là, il y a un monsieur. Je sais pas si j'ai raté un stage, mais je crois que ouais. J'ai dû rater un truc. J'ai dû rater un bazar, c'est pas possible. Il m'a transformé en pierre, ce fils de chien. Ok, magnifique. J'ai envie de dire magnifique, sérieux. Il m'a bien déboîté, lui. Bon, moi j'ai déjà ouvert la porte. Bon, il m'a expliqué qu'aller voir le boss. En courant. Il y a moyen. Ouais, putain, putain, c'est couillon déjà. Vous en faites pas, j'aurais pu y aller direct, mais il y a un côté que j'ai pas été voir encore. Ouais, là-bas, ouais. Il y a un chevalier en plus. Je sais pas si le monstre que j'ai qui m'a tué, est-ce qu'il est encore là? Bon, le monstre qui m'a tué n'est plus là. Il y a un truc sur le plafond. Bon, voilà, déjà le boss a disparu. Ça rapporte aussi. C'est n'importe quoi, c'est de la merde ces trucs. Mais il y a des endroits, je sais même pas à quoi ça sert quoi. Il y a un côté, t'as rien, passage secret où il y a rien, donne juste un truc à la con. Là. Franchement, c'est trop abusé quoi. Putain, mais donne-moi des trucs intéressants là. Je sais pas moi, pour booster ma flamme, je sais pas moi. C'est abusé quoi, c'est de la merde ça. Je vais me prendre une braise. Hein. Ça, ça va augmenter ma vie. Et on va aller au boss. De toute façon, j'ai que ça à foutre. C'est ça, des trucs tartiflettes là. Et on y va. De toute façon, on n'a rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Allez, on y va.
Dévoreuse des dieux, c'est quoi ce truc? Bon, j'ai déjà vu à peu près ce qu'elle sait faire. Ouais, j'ai vu ce qu'elle sait faire. Ouais. Par contre, un coup de hache, j'ai mis qu'un coup. Hein. L'énergie que je lui ai piqué en un coup. Ah, ok. Mon frère, il l'a tué avec, avec des gens. Hein. Moi, je vais le faire sans personne. Tout seul, comme un grand garçon. J'aurais pas dû prendre de braise, en fait. Je voulais plus de braise pour l'affronter, tu vois, pour avoir plus de vie. Mais dire que quand t'es en braise, tu perds tellement plus de vie, c'est un truc de dingue. Quoi. On va le faire normalement. Je vais pas prendre de braise, ça me pète les couilles. Ça et on va courir parce que je pense que c'est le bon truc. Copains, c'est pas que vous m'ennuyez, mais bon, j'en ai rien à foutre, sérieux. Oh, l'énergie qu'elle me gobe, cette putain. Ouais, là-bas. Putain, vas-y! Grosse garce. Ça te fait mal ça, 700, allez vas-y. Ouais mais one shot et sale pute. Comment c'est trop abusé le one shot et... Oh là là, va être casse-couille. Comment elle me prend trop de vie quoi. Mais c'est quoi cette histoire là? C'est les mêmes costauds. C'est peut-être l'épisode 22 qu'on est je crois. 22, 23. Je sais même plus. Je sais même plus compter. Je... Va être costaud elle. Je crois qu'on va rester longtemps dessus je crois. Ah ouais. Ah ouais mes mères elles rigolent pas. Casse-toi. Ah là, mes mères, elles rigolent pas. Ah, elle va être vite de perdre la vue bêtement sur ces trois cons là. Ah ouais, là, mes mères, elles rigolent pas. Par contre, moi je rigole pas non plus, hein. Quand je la frappe, je lui fais ultra mal. Quand je la frappe, je lui fais super mal. On va rester au corps à corps tout de suite. Quoi. Voilà, vous voyez pourquoi je reste au corps à corps? C'est juste pour éviter son putain de rayon laser là. J'ai dû cramer déjà la première phase. Ouais. La deuxième phase elle est en feu, ok. Ah putain, je m'attendais pas à l'aller-retour. Bon, vas-y, deux fois le même, ça pute! Elle est trop forte elle. Pas abusé. Ma vie qu'elle me gobe. Putain la défense. Par contre j'ai pas de défense, ça m'énerve.
Je sais pas, mais quand même des boîtes, sérieux, c'est abusé. M'a déboîté là, mais de laser, bam, je suis mort, c'est n'importe quoi. Je suis trop lourd avec cette merde là, putain. Déjà, elle fait pas d'attaque physique donc. Oh, vas-y, on s'en bat là. Je vais rester comme ça, j'ai rien à foutre ça. Ça me fait chier, c'est pour mes âmes quoi. Bon, 27 000, ça va encore, c'est pas non plus. C'est pas non plus une perte énorme, mais bon. Ouais, quoi. Il y en a qui vont dire, ouais, t'es un malade, mais bon. Allez, vas-y. Vous pouvez pas me toucher là, c'est impossible. C'est impossible de se faire toucher par des clochards, quoi. Ça... Ouais, elle est ultra puissante cette conne. Rien que sur le premier coup, j'enlève déjà 1000 quoi. Vas-y, je reste là. Oh, t'es sérieux? Elle fait peut-être des coups de ténèbres. Ouais, j'ai pas regardé si j'étais fort en ténèbres ou pas. Parce que si c'est le cas, je suis pas loin de là. Ouais, j'ai fait une roulade là, mec. Ouais, j'étais parti. C'est pas vrai. Elle est forte, elle. Forte de chez forte. Ok. Ah, mon boss casse-couille, je crois. Mais one shot en deux coups, c'est magnifique. C'est à chaque fois que je me tape un boss magique et je me fais violer, quoi. C'est pas la peine. Elle est balèze elle. Putain quand même, Mike, ça c'était. Sinon je regarderai si j'ai pas un anneau qui résiste à la magie quoi. J'enlèverai l'anneau du serpent. Ou l'anneau de la roulade. Je regarderai, je réessaye une fois comme ça. Puis au pire je regarderai si j'ai pas un anneau de... Ah j'appuie. Et franchement le jeu il est con comme un balai quoi. T'appuies pour faire une roulade, t'as un temps de latence. Putain, l'énergie qu'elle me gobe, c'est un truc de ouf. Hein. Sérieux, c'est le premier boss qui me prend autant de vie quoi. La vie qu'elle me gobe, putain je crois pas. Faudra que je regarde si j'ai pas un truc pour la magie quoi. Résister à la magie, ça va pas le faire ça. Et pourquoi mon bonhomme il donne toujours des coups de pied? Je ne demande pas de donner un coup de pied. Il y a un truc qui va pas, sérieux. Elle me prend trop de vie. Ah merde. Sérieux?
Mais t'es sérieux? C'est quoi ce putain de boss là? Elle a abusé, elle, sérieux. M'énerve leur boss magique de naze là. Putain, déboîte cette grosse conne. Elle est nulle en plus, elle fait trois techniques, super. Boss, il t'agresse même pas et il te déboîte quoi. Saloperie quoi, avec ces petites bouboules de merde pète les couilles. T'as assez abusé quoi, franchement il a abusé le jeu. Vas-y, vire-moi ça là. Ça aussi. Augmenter le nombre de PV, je peux pas le baisser ça. Au pire ça. Pas un truc pour la. Pourquoi j'ai tiré des sorts, je m'en bats là. Améliore la soupçon des dégâts. C'est bon. Je sais pas si elle fait des ténèbres, c'est ça le problème. Ça c'est au cas où si je meurs, je m'en bats là. Améliore la visibilité des roulades mais réduit la défense. Résistance au poison, ajoute un placement du sort, on s'en fout. Augmente PV, constitution et charge maximale. Donc déjà j'ai rien pour la magie quoi. Ok. Donc ça promet. Ah mais là, les attaques magiques mais alternent la sanction des dégâts. Ok, magnifique. Améliore l'attaque quand vos PV sont au maximum. Super, ça sert à rien cette bague de merde. Ah, fait chier. Je sais pas si elle fait des attaques. Ah, je suis même pas, je suis à bientôt 1000 quoi. Je sais pas si elle fait des attaques de ténèbres. On va essayer, mais bon. Fait chier, j'ai pas un truc qui me sauve la vie quoi. Quand si j'enlève celle-là. Je mets celle-là, ça fait quoi? Je perds. Okay. Mais par contre, je gagne de l'endurance. De toute façon, je fais toujours. Ah, par contre, ouais, j'ai pris beaucoup d'endurance. On va voir si je perds moins de vie avec ça, merde. Mais je cours beaucoup plus vite, quoi. On va regarder ça comme à nous, ça a l'air d'être pas mal. Raté, bande de cons. Va te faire Sodome. Putain, sinon on se trouve obligé de faire du level up pour niquer cette connasse. Oh putain, par contre. Putain, comment je cours vite là? Ouais, je perds moins de vie. C'est bon. Ça fait vraiment du. Elle fait des attaques de ténèbres. C'est bon, j'ai trouvé la bonne bague. Putain, heureusement que je l'avais la bague là. Là tu dis c'est con mais que ma barre de PV elle était pas remontée. D'enduit était pas remontée. Ça c'est chiant parce que ça te suit. Oui.
Et que s'il me reste un truc à faire, c'est maintenant. Prochain coup, je la baise. Prochain coup, je te baise, connasse. Quand même toute une vidéo sur un boss, magnifique. Ah je l'avais là, putain, je suis vert. Un poil de bite là, vraiment le poil. C'est même plus un poil là, c'est... Putain, c'est trop mal foutu quoi. Ah, fait chier, elle aurait dû faire son arc, sale conne. J'aurais dû attendre le moment de l'arc, c'est à ce moment là que elle est plus vulnérable. Pardon, je marche sur mon câble, ça peut le faire. Vraiment dommage, sur celle-là j'étais pas loin. Hein. Vraiment pas loin. Mais j'ai vraiment l'impression que je perds moins de vie. Quoi. Donc est-ce que j'ai pris la bonne bague? Je sais pas du tout ça fait quoi comme sort. Bon on était pas loin au moins. Ça va, je commence à piger. On va récupérer mon âme tout de suite. Ouais, mais déjà re-shooté. Ouais, ok, super. Bon, on va se lâcher sur cet épisode-là et puis on reprendra.